Manuel Rochman, un pianiste français, en voyage ici à Maurice pour une rencontre musicale avec les musiciens mauriciens et la chanteuse Nadine Bellombre avec laquelle je vais donner un concert. Bonjour, moi c'est Nadine Bellombre, chanteuse depuis l'âge de, je sais plus, 17 ans. Soleil qui donne la lumière, soleil qui donne l'envie continuer, soleil qui remplit nous les quais. Celui qui fait nous rappelle qu'il nous existait. Ce projet est né en fait grâce à un ami commun, un musicien mauricien qui vit à Paris, qui s'appelle Lynley Mart, et autour duquel on s'est réunis en 2012, ça fait déjà un an et demi, pour un festival ici à Maurice qui s'appelle Blues dans Jazz. Et c'est Amanda Mouelik, donc directrice de l'IFM, là, qui a programmé cette rencontre en fait. C'est vraiment une initiative de sa part. Et c'est vrai qu'à partir de là, moi j'ai rencontré ces musiciens mauriciens fabuleux. Il y a eu un petit peu un déclic dans ma tête. Je me suis dit, mais attends Manuel, c'est bon, il y a un truc de 6-8 là, les rythmes, les polyrythmies là, du Sega, de Maurice, qui donnent vraiment une identité, une authenticité qui fait que ça vient de là, il y a un son qui vient de là. Et c'est ce qui me plaît. Enfin, moi je suis hyper content de ce concert et de cette rencontre. Super heureuse quoi, c'est... C'est Manuel Rochman, quoi. C'est pas n'importe qui. C'est notre premier concert officiel, disons, avec ce projet-là, sous cette forme-là. Mes paroles en créole, c'est sa musique à lui. Donc, on travaillait à distance, il me les envoyait par mail. Et moi, je mettais les paroles dessus et c'est comme ça que ça s'est fait. Ah oui, je lui ai envoyé les MP3 de mes compos et elle écrivait les paroles. Et comme elle m'a envoyé ses compos avec déjà les paroles et qui n'étaient pas... comment dire, finalisé sur le plan de la composition, parce qu'elle avait enregistré des lignes mélodiques, des chants, et moi j'ai harmonisé ces chants, en fait, et ça s'est construit comme ça. Vive la technologie. Voilà, peut-être tu rentres, alors voilà, on fait le... C'est un projet crossover, on pourrait dire, c'est une rencontre. Et c'est vrai que ça amène quelque chose d'assez original sur le plan musical, dans la mesure où je pense qu'il y a assez peu de projets qui aient ce caractère musical-là. C'est vraiment, on a défini quelque chose qui me semble assez original, vraiment. Paris-Maurice, quoi. Vini, vini, vini. Vini, vini, vini. Hein?